Parrot nous a invités pour officialiser l'arrivée prochaine de deux mini-drones qui sont des jouets pour petits comme pour les grands. Hey tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT toujours à votre service. C'est lors d'un événement que le cofondateur et le président de Parrot, Henri Sédoux, a dévoilé à la presse française l'arrivée du Rolling Spider. Henri Sédoux lui-même l'affirme, ce jouet est un véritable drone. L'appareil a la particularité de se déplacer sur Terre grâce à ses deux grandes roues amovibles ou dans les airs grâce à ses quatre hélices. Bien que l'appareil est extrêmement léger, 65 grammes, il est très robuste. Une affirmation que nous avons pu valider lors de notre prise en main qui a nécessité un peu de temps pour maîtriser la bête. Il se pilote grâce à la technologie Bluetooth 4.0 Low Energy. Le Rolling Spider réalise des vols et dispose d'une vitesse de 18 km/h. Il peut réaliser des loopings et en swipant l'écran, le pilote peut lui faire faire un tour de 180 degrés très rapidement. Sa portée peut aller jusqu'à 20 mètres, ce qui est assez pour pouvoir le garder à l'œil. Il dispose d'une caméra 3 mégapixels verticale qui filme à 60 fps. Il est équipé d'autres capteurs comme l'ultrason, le gyroscope, l'accéléromètre 3 axes qui permet son déplacement. Le Rolling Spider a une autonomie de 8 minutes qui passe à 6 si vous laissez les roues. Les ingénieurs de chez Parrot ont travaillé sur la sécurité. Par exemple, l'appareil se coupe si vous approchez votre doigt. Le Rolling Spider se contrôle depuis l'application Free Flight dans sa version 3. Il dispose de plusieurs configurations de commandes plus ou moins adaptées au niveau et à la préférence de chacun. Après plusieurs minutes de prise en main, le mini drone commence à être apprivoisé et le plaisir est là. De plus, l'appareil dispose d'un stockage de 1 Go en interne, ce qui permettra de revoir les sessions terrestres, mais surtout aériennes. Comme je vous l'ai dit plus haut, il a subi de gros crashs et pas de casse à déplorer. Seules les hélices à remettre et ça se remet en place très facilement. Je vous laisse admirer l'excellente maîtrise de notre pilote Jason. L'appareil sera disponible mi-juillet en 3 coloris au prix conseillé de 99 €. Je vous invite à aller consulter notre article qui vous en dira plus. Pour les plus passionnés d'entre vous, nous vous proposons également de revoir la présentation d'Henri Sédoux dans son intégralité. Allez les amis, on vous quitte sur notre spécial finish. Restez connectés sur votre site d'information Android MT.